Bah écoutez, j'espère que vous êtes motivés tous et toutes. Et je vous propose de faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Au-delà de ce résumé, c'est peut-être aussi faire un petit point. Du coup, Manon, je vais en profiter. Je vais utiliser ce que tu as fait pour rappeler un petit peu le contexte politique général. Donc merci encore pour ton travail. Je vous propose donc de passer sur la carte. Je vous en prie, il a été payé par contribuable. Il y a des cases qu'il faut absolument que tu montres. Hein. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois, vous avez rencontré Yulia de nouveau sur les ordres de la reine-mère, entre guillemets, la grande révérende mère. Lucie a décidé d'aller lui péter la gueule. Hein. Elle a pris ses gros sabots, elle a dit « Écoute, c'est pas très bien ce que tu fais, t'avais pas le droit de le faire ». Et finalement, ça s'est fini à coup de massue dans la gueule et à coup d'épée, avec des bras tranchés, etc. Donc vraiment, elle a mal fini, mais elle est vivante, du moins. C'est sympa, Lucie l'a fait toute seule. Oui, tout à fait. Et Lucie a décidé de la mettre sous lien de sang, ce qui est une marque de soumission totale pour Yulia. Et donc, tu en as profité pour récupérer le culte, tout simplement, qui est sous tes ordres. Donc ça fait de la main d'œuvre pas chère, gratuite, et c'est très agréable pour ton égo. Tu as pu en profiter. Oui. De l'autre côté, vous êtes retourné voir Kalia, avec qui vous avez pu échanger de manière globale sur l'environnement, sur les décisions que vous pouviez prendre, sur le contexte en général. Surtout. On s'est séparés en deux avant. Vous êtes séparés en deux avant, oui. Mm-hmm. C'est Esclarmonde et Miaël qui sont partis voir Kalia et les trois autres qui sont partis vers les Chevaliers de Saint-Ladre pour espionner. C'est vrai, c'est vrai. On n'avait pas encore commencé l'espionnage des Chevaliers de Saint-Ladre, de souvenir, mais par contre, on avait fait la discussion avec Kalia afin d'avoir plus d'informations, essayer de trouver des portes de sortie, etc. et mieux comprendre la situation géopolitique. Elle vous a un petit peu expliqué comment fonctionnait la ville et surtout le levier que vous aviez avec la lettre destiné à Magnus de la part de Grégorius, incriminant totalement à la fois les Lassombra et les Malkaviens sur la folie du patriarche Michel. Voilà, rien que ça. Qu'on l'avait fait copier. Hein ? Et qu'on l'avait fait copier cette lettre. Je crois pas. Bah si, parce que Kalia nous a proposé justement de la donner et oui, à Caius. Oui, oui. Et au Toréador. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est juste que c'est vrai que je me souviens de la discussion et Ethan avait parlé de pouvoir le faire. Mais effectivement, Kalia a les hommes pour pouvoir le faire. Donc il y aura une falsification de cette lettre pour avoir un double. Du coup, on va reparler un petit peu contexte géopolitique global. Déjà, pour commencer, on va parler des Toréador. Le patriarche Toréador, qui n'est que autre que Pétrone à l'heure actuelle, étant donné que Michel, bon, c'est pas trop ce qu'il fout, hein, voilà, faut dire les choses. Les Toréador ont sous leur coupe et leur protection les Nosferatu, dirigés par Malakith, donc Maleki, si on préfère, la personne que vous cherchez depuis le début, et les Lassombra, qui sont dirigés par Magnus, que vous avez rencontré, le vieux, le boomer. Vous avez également les Sétites qui ont été un peu évoqués, mais visiblement ils sont un peu plus en retrait. Mais ils sont également sous la coupe de ce cher Michel. Donc oui, il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de commentaires. Magnus fait des conneries avec Caius et Teusa, etc. de l'autre côté, vous avez les Tsimisés. Les Tsimisés ont sous leur coupe tout simplement les gangrènes. Voilà, tout simplement. Qui, eux, se sont un peu regroupés et qui en sont en train de protéger la citerne pour d'autres raisons, tout simplement parce qu'il y a une alliance informelle entre les gangrels et les Nosferatu, chose que vous savez depuis maintenant assez longtemps. Et le dernier côté des patriarches, donc, qui sont les Ventru, avec Caius et ses petites couilles bleues, comme on parlait depuis le début, eh bien, vous avez à la fois les Cappadociens et les Brujas, que vous n'avez toujours pas rencontrés. Les Brujas, vous ne les avez pas croisés. Pour finir, vous avez ceux qui sont un peu plus en retrait, les Trémérés qui sont le cul entre trois chaises, qui parlent très très bien de la situation, qui ne savent pas trop pour le coup où ils sont, étant donné qu'ils n'ont pas de protection, etc. Ils sont juste tolérés.
et les Giovanni qui sont dans leur quartier, mais visiblement qui ne sont pas forcément trop aimés. Et au-delà de ça, eh bien, un coup a été porté sur les Giovanni de la part des La Sombra, non pas de Magnus, donc Constantinople, mais de la part des La Sombra vénitiens sous la coupe d'Alphonse de Venise, qui a fait que ça a foutu une merde pas possible. Voilà à peu près le contexte géopolitique. Donc vous, à l'heure actuelle, vous avez quand même pas mal de leviers qui vous permettent vraiment de changer les choses. Je tiens quand même à préciser une chose. En fonction de vos actions, je vous ai dit que généralement, dans l'histoire, la brèche de la part des Latins se fait au quatrième jour. Voilà. Ça peut arriver beaucoup plus tôt, en fonction de ce que vous faites. Tout simplement parce que vous avez les moyens, vous avez le choix de pouvoir modifier tout ce qui est possible sur l'univers et bien évidemment changer l'histoire. Vous pouvez aussi sauver Constantinople, mais je pense que personne n'a envie de le faire. J'ai une petite question. Oui. Parce que dans mes notes, j'avais noté que les Malkaves étaient aussi sous la coupe des Ventru, en tout cas certains Malkaves. Et certains... c'est pour ça, du coup, que ça incriminerait potentiellement Caius. Certains le sont, mais pas tous, étant donné qu'ils ne sont pas regroupés en clans, comme on peut l'imaginer dans des cours modernes ou autre chose. C'est vraiment individus. Donc ce serait intéressant de demander où va l'allégeance de Grégorius. Clairement, oui, mais qui pourrait avoir cette information ? Une certaine Toréador, peut-être ? Kalia n'aura pas forcément l'information. Non. Pas forcément, donc peut-être. Apparemment, il est copain avec Caius et Magnus. Hein. On peut retourner voir Magnus et lui demander gentiment. Ça, ils nous auront oublié. Ils nous auront zappé entre-temps. Je pense pas. Je pense pas. On va envoyer Lucie. Je peux faire mille visages. Il reconnaît déjà pas des vampires, alors bon. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas forcément le plus intelligent. Bonjour, c'est qui Grégorius, quoi. Non, comme ça. Voilà l'info. Alors pour le graphique. On est marre qu'on parle de lui. Je verrai pour voir si on peut vous le mettre à disposition. Effectivement, on regardera ça. On vous tiendra au courant sur le Discord. Je vous propose donc de repasser sur l'overlay normal et que nous reprenions notre aventure là où nous nous sommes arrêtés. Donc Esclarmonde, Mihail, vous êtes toujours auprès de Kalia, donc vous pouvez toujours lui poser des questions si vous le souhaitez. Lucie, Ethan, Artemisia, vous étiez en train de vous diriger vers le fortin qui appartient au chevalier de Saint-Ladre pour avoir un peu plus d'informations. Mihail, Esclarmonde, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez voir avec Kalia avant qu'on passe à l'autre équipe ? Peut-être en savoir plus sur Grégorius, parce qu'effectivement c'était Ethan qui avait reconnu le symbole des Malkaviens, mais on ne savait pas grand chose sur lui. Tout à fait. Du coup, tu lui poses la question, je suppose. Oui. Grégorius, c'est quelqu'un d'assez spécial, lunatique au possible, très difficile à cerner. De ce que j'ai entendu dire, ça pourrait être une des muses de Michel, d'une certaine manière. En tout cas, je vous déconseille de vous en approcher, c'est un danger public. Il essaiera de vous utiliser et potentiellement de vous tuer. C'est intéressant. En tout cas, avec la lettre qu'il a pu écrire, peut-être que d'autres personnes iront le cueillir à notre place. Tout à fait. Ce serait idéal pour vous. C'est vrai. On avait quoi d'autre ? Je pense qu'on avait fait le tour, non ? On avait fait pas mal... Le tour, oui. Parce qu'il me semble de mémoire qu'elle avait aucun contact ou moyen de contact avec ceux de l'extérieur. Qu'elle nous avait conseillé, du coup, les Sétites qui étaient au port, du coup. Oui. Quelle partie du port, t'avais dit déjà ? De manière globale, les Sétites pourront se déplacer assez facilement. Ils ont un temple qui est présent, qui est sous l'égide de Kaïtal. Mais voilà, si jamais vous voulez récupérer des informations, elle pourra vous indiquer quelqu'un que vous pourrez rencontrer.
Oui, bah c'est ça qu'il nous faudrait du coup pour qu'on puisse quand même faire la porte de sortie. Et de mémoire, on lui avait aussi du coup donné à Kalia les... Enfin, Esclarmonde avait refait une copie sur une carte des entrées et sorties au niveau du mur qu'on avait trouvé sur les cartes de Yulia. Oui, tout à fait. Et de là où est-ce que Yulia avait tapé pour foutre la merde, je crois. Effectivement. Ouais. Il y avait ça, il y avait... on lui avait passé la copie de la lettre. Oui, celle qu'elle doit donner au Toréador à un moment, ouais. Et nous, on doit lui faire signe quand lui donner. Enfin, quand elle doit la porter, et nous, on a la copie... Enfin, on a la... l'autre lettre pour Caius, du coup. Ouais. Non, du coup, je vois pas... Bah, Je pense qu'on est plutôt bon. Dans les messages qu'on lui avait laissés avant de venir ici, on avait tout abordé aussi, parce que je me souviens qu'on lui avait écrit un petit message, mais qu'elle avait peut-être pas reçu entre-temps. Je sais plus à quel sujet... C'était des infos de manière générale, je crois. Et ouais, de savoir aussi si elle avait des informations sur Marcus, de souvenirs. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, elle n'avait pas du tout de nouvelles de Marcus. Elle n'a pas de nouvelles de Marcus. Par contre, visiblement, les Vénitiens ont commencé à prendre possession de tout le quartier. Donc là, son bras s'éclate. Okay. Ce qui est logique. Okay. Après, les Giovanni sont aussi Vénitiens. Donc, Oui, mais les Giovanni sont très... ils ont beau être très influents, etc. Beaucoup de pognon. Face à plusieurs, la Sombra et plus de ressources, tu tombes. Plus d'hommes, si tu préfères. Plus de vampires. Je te sens offusqué. Je le suis. Non, du coup, c'est bon pour moi. Très bien. Ouais, bah, je pense que c'est bon aussi. Donc, elle vous laissera revaquer à vos occupations pendant qu'elle va commencer à préparer donc, la falsification, de la lettre, dont elle vous redonnera l'original, elle récupérera elle seulement la copie qu'elle transmettra à Petron lorsque vous lui donnerez le top. Et à ce moment-là, du coup, bah, ça sera du rififi chez les Toréadors. Yes. Du coup, je vous propose de passer aux autres. Les autres, vous êtes en train de vous diriger vers le fortin, où vous voyez à l'extérieur déjà plusieurs personnes, plusieurs réfugiés et autres qui sont... en train de se trimballer dans certains quartiers, parce que à la fois on est quand même sur donc des chevaliers en charge principalement des plus démunis, des lépreux, ce genre de choses, mais aussi des blessés et des gens qui n'ont pas d'argent, donc les plus démunis encore une fois. Et ce qui est normal, du coup, en même temps on est en temps de guerre, il est normal de pouvoir mettre à disposition tout ordre potentiel possédant à la fois ressources, mais aussi de quoi pouvoir accompagner des personnes et les soigner. En sachant que le soin à l'époque, c'est un petit peu compliqué. Donc vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs personnes, malgré leur tardive, qui sont en train d'être transférées. Vous voyez même qu'il y a des charrettes complètes de cadavres, en fait, tout simplement, qui sont à la fois des civils, mais aussi des soldats, pour le coup, qu'on n'a même pas le temps d'enterrer, et qu'on va juste mettre en fait, dans des feux de joie et autres, afin de pouvoir éviter toute propagation de maladies. Parce que ça, c'est un gros risque quand on est en temps de siège, bien évidemment. Ok. Du coup, c'était quoi le plan ? C'était que tu faisais un truc à un gars, Ethan, c'est ça ? Le plan, c'est qu'on chope quelqu'un, de préférence, qui a un problème physique un petit peu visible, ce serait mieux. C'est pas grave si c'est pas le cas, il y a plein de choses qui ne se voient pas. Et... il va rentrer pour nous, et quand il ressortira, il va nous raconter tout ce qu'il a vu. Ok. Bien, juste que vous m'aidiez à trouver un bon candidat, histoire de faciliter un peu tout ça. Il est malade venu, hein. On voit quelqu'un... Franchement, peu importe, il y a tellement de profils différents, je suis un clodo dans la rue, ça suffit. Enfin... ouais, quelqu'un qui a l'air un peu souffreteux, hein. Et tout seul, un petit peu à l'écart. Ouais.
il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous chopez, peu importe le profil, homme ou femme, hein, comme vous voulez, même des enfants si vous avez envie, que vous pouvez attraper, avec qui, du coup, Ethan, tu vas t'approcher. Tu vas pouvoir utiliser ta domination afin tout simplement de manipuler l'esprit et de l'envoyer en reconnaissance. C'est ça, je vais pratiquer l'hypnose et lui dire voilà ce que tu vas faire. Tu vas te présenter à l'hospice, expliquer tes symptômes. Alors, une fois que tu seras dedans, tu vas prendre en note tout ce que tu vois. Les différentes zones qui sont accessibles, tu vas les visiter sans éveiller la suspicion. Et une fois que tu auras fait le tour, tu sortiras et tu vas venir nous faire un rapport de tout ce que tu as vu. Okay. Et entendu. Très bien. Donc je te demande pas de faire de jet parce qu'on est quand même sur des humains de base, donc il n'y a rien de plus simple généralement. Du coup, tu fais cette hypnose. A priori, faire un jet d'exaltation, vu que tu utilises l'hypnose. Tout à fait. Tu peux faire un jet d'exaltation, mais je te demanderai pas de jet particulier. Oui, non, là, c'est juste pour voir si tu perds du sang. Tout à fait. Ça n'a pas de sang. Du coup, en fait, tu vois que cette personne, on va qualifier du. Ouais, allez, on va prendre une femme âgée pour cette fois. Qui a à peu près une cinquantaine d'années, qui est effectivement boiteuse et tout, qui commence à se diriger progressivement vers l'hospice après tes ordres. Il va se passer quand même un petit peu de temps avant que vous ayez ces informations-là. Pendant qu'il fait le tour, moi j'aimerais bien juste trouver, vu qu'il faut qu'on attende, j'aimerais bien me trouver quelqu'un pour me nourrir. Oui, tu peux totalement chasser. Par contre, je vais te demander un jet du coup de chasse. Je dirais... dextérité, furtivité, vu ton profil. Bah, toujours des vieux, Red, tu le sais ? Ouais, toujours. Ok, on est quand même sur un. Il y a une réussite, mais on est sur un potentiel échec bestial. Donc en fait, tu vas choper la personne. Peu importe, en fait, tu t'en fous. Ce soir, tu as faim. Tu vas vraiment sauter à la gorge de quelqu'un que tu as croisé dans la rue. Le problème n'étant pas la discrétion, parce qu'au final, un succès, ça va. C'est plutôt dans quel état tu vas laisser cette personne. Je vais te demander un petit jet de volonté pour essayer de te maîtriser et ne pas la drainer complètement. On avait dit qu'on mangeait pas les lépreux, Lucie, merde. Ça va, je me gère. Tu as de la chance, effectivement, et tu prends 3 points de faim sur la personne. Ce qui veut dire qu'elle est quand même en sacré mauvais état. Elle n'est pas morte. Okay. Elle respire encore, mais tu sais qu'un point de plus aurait pu la tuer. Et vu que je la draine pas, je reste quand même à un point de soif. Tout à fait. Du coup, ok. Il faut drainer un humain complètement afin de récupérer tous ses points de soif. Bon, bah c'est bon. Du coup, bon, Lucie, tu vas t'amuser à chasser. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre pendant qu'elle va chasser ? Oui, moi je voulais demander, pendant qu'on est là et qu'on fait rien, finalement, je vais demander à Ethan si il arrivait à déchiffrer la lettre de mon époux qui est un petit peu abîmé, comme du coup il étudie des textes plutôt anciens. Parce que du coup, parce que moi je suis pas habitué à lire les textes à moitié, peut-être que lui du coup il a ses capacités en plus. Ah, avec le texte moitié à effacer, etc. Des ouais, choses si à lui lire. Il peut. Oui, s'il te plaît. Non, du coup j'ai lu le temps la lettre. Merci beaucoup. Je vais très précautionneusement la déplier, la mettre par-dessus un livre à moi qui est un support, ne pas risquer qu'elle s'envole ni rien. Je vais utiliser l'ospex pour amplifier ma vue, histoire de les parties partiellement effacées, pouvoir aller jusqu'à voir un petit peu les griffonnages dans le papier directement du passage du crayon, même s'il n'y a plus de graphite. Et je vais pousser le vis au maximum pour essayer de m'occuper correctement de ce texte et de lui donner l'attention qu'il mérite. Je vais te demander un jet de... Comme on est sur de la perception... Je te demanderai astuce érudition, pour le coup. Voir si tu arrives pas à détecter des choses supplémentaires dans le texte. Ah, et du coup, je rajoute mes dés d'ospex. Oui, tout à fait. Astuce érudition. Sept succès. En fait, tu commences à effectivement lire entre les lignes, etc., voir que bah, déjà, le papier est en très très mauvais état, il a été froissé plusieurs fois, l'encre a en partie disparu pour l'encre qui a été utilisée, malgré le fait que le papier soit de très très bonne qualité,
en même temps on est sur du papier de noble et l'encre également, donc vraiment avec cette écriture aussi qui est bien faite, etc. T'effaces. C'est pas un lettré, mais tu sens quand même que le gars, il a bien écrit, etc. Il a bien appris. En fait, tu te rends compte que déjà, au niveau de l'écriture, l'assurance qu'on pourrait avoir quand on écrit une lettre pareille n'est absolument pas présente. Tu sens qu'il y a de la peur derrière tout ça, dans tous ces mots qu'on est en train d'écrire. Ce qui est assez étrange. Après, dans le contexte et également dans le contenu, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de supplémentaire. Ce qui a été effacé, en fait, c'est simplement soit des banalités, soit vraiment des détails, en fait, sur ce que la personne comptait faire. Donc, l'objectif étant, et là, c'est quand même un peu plus précis, sur la trace du fragment de Sargon. Ce qui veut dire que le mari d'Artemisia était vraiment sur sa trace. Potentiellement, que c'était sa mission. Du coup, très cher. A priori, vraiment, il était sur la trace du fragment. Je peux vous faire une copie, une nouvelle copie de la lettre, si vous le souhaitez, éventuellement traduite dans la langue de votre choix. Mais j'ai l'impression, en lisant un petit peu entre les lignes, de comprendre qu'il avait peur. Vu le contexte, ça paraît pas vraiment étonnant vu ce qu'il cherchait. Ça veut probablement sous-entendre qu'il se sentait en danger, qu'il était peut-être à risque d'être découvert. Ce qui expliquerait pourquoi la famille n'a plus aucune nouvelle de lui. Effectivement. Écoutez, Ethan, je veux bien que vous fassiez une copie, mais pas maintenant. Pour l'instant, ce n'est absolument pas urgent. Bien sûr, absolument. Le sentimentalisme n'a rien à voir à faire avec cette mission. Et vous pourrez très bien laisser la lettre en italien. T'as une sorte de picotement, tu sais, dans la nuque. Tu sais, comme si tu vois, t'avais des frissons d'un coup. Tu te sens mal à l'aise de nouveau. Et tu te sens un petit peu en colère, en fait. Tu sais pas trop pourquoi. Tu te sens un petit peu en colère. Ce que je peux faire pour la 15e fois en 20 sessions... J'en supplie. En sortir l'invisible, s'il vous plaît. T'en supplie. J'en ai marre. À un bout d'un moment, ça va finir par passer. Oui, bien sûr. Ce sera pas pour aujourd'hui. Du coup, tu commences à te concentrer, tu perces le voile de nouveau. Essaye d'observer autour de toi. Te concentrer sur la sensation que tu as, ce frissonnement que tu as dans les chines, etc. Et quand tu te retrouves, en fait, tu te retournes, tu vois qu'il y a une espèce de forme fantomatique qui passe juste derrière toi, très légèrement. Tu n'arrives pas à déterminer ce que c'est, mais il y a bien quelque chose qui est présent. Et c'est la même signature, on va dire, que depuis... Exactement la même. Mais par contre, là, elle commence à devenir de plus en plus visible. Tu sens... Si tu fais déjà un petit peu mieux, tu pourras la voir. Mais il y a quelque chose. Tu sais pas ce que c'est. C'est Casper, effectivement. Merci, Squad. Il est toujours avec moi. Non, c'est, tu sais, c'est le fantôme vert qui fait Center Express. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a quelque chose autour de toi. Et là, d'un coup, en fait, t'es prise d'une colère, comme si c'était. C'est pas de la haine, hein, mais c'est vraiment de colère vis-à-vis de toi-même, comme si. T'avais raté quelque chose et c'était ta faute. Si je vois Artemisia chercher un petit peu partout, ouais. Si tu l'autorises, je vais faire pareil. Ouais, la un difficulté sera de... supplémentaire pour le coup. Logique. Non, si Ethan, il va le fantôme de mon mari avant moi, c'est quand même vachement con. Hein. Ah oui, justement. Waouh, le jet. Ouais, le jet est pour casse. Il y a effectivement une présence fantomatique autour d'Artemisia. Tu n'arrives pas à distinguer ce que c'est, voir vraiment si c'est un homme, une femme, peu importe. Mais il y a quelques... Ah oui, c'est Bouffetou, pardon, merci. Du coup, il y a Bouffetou. Non, il y a bien une forme derrière elle qui semble rôder autour d'elle. En fait, la différence, tu sais, c'est qu'on pourrait se dire ah, le fantôme, il virevolte, etc. Non, là, c'est face à une personne qui est en train de marcher derrière elle, mais avec des ombres, en fait, qui sont en train de se déplacer.
Est-ce que j'ai conscience qu'il s'agit d'un fantôme ? Au vu de tout ce qui s'est passé depuis le début, tu peux extrapoler et te dire que potentiellement, oui, c'est un fantôme. C'est clairement pas autre chose. Ou si c'est une ombre, elle est vraiment badass. Mais par contre, non, ça va être un fantôme. Hmm. Vous avez de la compagnie, très cher. C'est ce que je suppose, oui. Merci. Je vous en prie. Et en fait, parce que je fixe, j'essaie de contenir à fixer cette... En fait, je pense qu'au-delà de l'agacement que je ressens, sûrement à cause de l'influence de machin, je sais même un agacement profond moi-même de me dire il y a un truc qui me suit depuis un petit moment. Ça commence à m'agacer d'avoir un truc qui rentre autour de moi. On est en double colère. Ouais, tout à fait. Double boule. Je vais te demander un jet de volonté, s'il te plaît. En plus, le petit merdeau de Tréméré à côté, il le voit. Est-ce qu'avec ce jet de volonté, j'ajoute mon atout sans froid ? Oui, tout à fait. Ok. Alors, attends. Du coup, c'est volonté, c'est plus... plus 1. En fait, c'est, tu, vas, plus tu vas augmenter ton seuil de réussite, normalement. Ok. Voilà. 3 succès. En fait, tu perds aucune contenance. Vraiment. C'est comme si, bon, de toute façon, tu es très doué pour ce genre de choses, etc. Et ça a toujours été, et puis bon, on l'a bien vu, hein, lors de ton étreinte. Tu es resté une queen du début à la fin. Mais en fait, malgré tout, ça t'agace, en fait. Tout simplement de ne pas avoir la réponse par rapport à ça, de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fout là. Mais en même temps, la chose la plus étrange, ce que Ethan ne peut pas percevoir, c'est que cette présence qui... semble rôder, etc., te rassure aussi, d'une certaine manière. C'est très familier. Trop familier, peut-être. C'est ce que tu commences à ressentir maintenant. Elle est beaucoup trop familière, cette présence. Ok. Du coup, peut-être que ça n'est pas du coup, je pense que... Ouais, puis je pense que, un peu malgré moi, entre guillemets, ce qui se passe là, notre petite mission actuelle, ça passe pas au second plan, mais en fait, un peu malgré moi, disons que ça... Ça attire beaucoup trop mon attention pour que je sois pleinement focus sur ce qui se passe aux alentours. Tu peux essayer de lui parler, si tu le souhaites. Non, pas comme ça, il y a tout le monde. Écoute-moi, petite merde, tu vas m'écouter. Non. Au pire, tu déplaces Ethan à peu près à la place où est le fantôme et tu fais genre que tu parles à Ethan. Ouais. Non, mais c'est pas du tout une question de passer pour une tarée en parlant aux gens, c'est juste que si... C'est potentiellement le mari d'Artemisia. Elle parlera pas comme ça à son mari s'il y a d'autres gens autour. Eh oh. Tu vas te faire engueuler en italien. Donc non, parce que vraiment, je... Par contre, je fixe l'ombre. Enfin, et j'essaie de la... les silhouettes, j'essaie de la fixer à peu près à hauteur d'où devraient être des yeux d'une personne, ou du moins les yeux d'Alfonso par rapport à moi. Mais en fait, maintenant que tu commences vraiment à te concentrer, je t'autorise un nouveau jet, je vais te rajouter un bonus si tu le souhaites. Donc de 1 dé supplémentaire. Parce que du coup, quand tu vas passer ce temps que vous avez de libre à essayer. Il y a tous les jets d'exaltation aussi. Tu peux utiliser les points d'exaltation. Mais là, c'est pour te donner des bonus par rapport à ça. Parce que là, tu te concentres vraiment progressivement sur cette cible-là. Tu l'as déjà remarqué. Donc maintenant que c'est là, tu vas pas faire oh bah non, ça existe pas. 3 succès. Mais là, tu commences à la voir un petit peu comme la voix éteinte. C'est vraiment cette forme fantomatique qui est en train de se déplacer, qui marche autour de toi et qui semble limiter un peu à ta présence, comme si c'était à 2-3 mètres grand max autour de toi. Ok. Pendant ce... Ouais. Non, attends, j'allais dire, parce que j'ai réfléchi à ce que je vais faire, donc je te parle aux autres. Je t'en prie. Du coup, pendant ce temps, vous êtes en train de quand même observer. Alors, Lucie, tu t'es nourrie, mais t'as quand même observé les alentours, etc. Vous êtes en surveillance quand même. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui rentre et qui sort. Beaucoup de gens, en fait, qui sont en tabard hein, blanc avec cette croix verte, qui rentrent, qui sortent, qui sont peut-être des miliciens ou d'autres choses. Le fort est plutôt bien protégé. Au total, d'hommes en armes, hein. Que vous croisez de l'extérieur qui rentre et qui sort, vous comptez facile 60 personnes. Quand même. Ce qui est beaucoup. Alors, on est sur des frères moines et autres. Hein. Donc, ce qui veut dire que ce sont des combattants. Ils sont pas armés, par contre.
sans doute que l'armurerie doit être à l'intérieur. Et il y a quand même pas mal d'infrastructures, donc vous voyez qu'on amène de l'eau, on ramène quelques trucs à manger, etc. Malgré l'heure, hein. Il n'y a pas d'importance à ce niveau-là. On essaie de s'occuper au mieux des blessés. Par contre, le flux de blessés continue d'arriver. Ce qui veut dire que les pertes sont quand même nombreuses. Après ce temps-là, du coup, la personne que tu as charmée, Ethan, avec ton hypnose, revient en boitillant progressivement. Et puis du coup, se ramène vers toi. Sors mon carnet de notes et ma plume. Je vous écoute. Y a beaucoup de monde à l'intérieur. Y a plein de pièces. J'ai pas pu tout visiter parce que visiblement, il y a des endroits qui sont bien gardés et on m'a dit que j'avais pas le droit d'y aller. Y a un accès à un étage qui est apparemment réservé au grand maître. Après, y a un grand réfectoire. Y a une grande salle où il y a plein de personnes qui sont malades. Y a plein de sœurs qui sont présentes pour s'occuper des gens. Y a vraiment beaucoup de gens malades, beaucoup de gens blessés. Il y en a qui ont plus de jambes. Qui sont complètement brûlés. Décrivez-moi les pièces, la taille des pièces. Je vais faire un jet d'intelligence. Ah, ça va. Le réfectoire, on pourrait mettre une quarantaine de personnes à l'intérieur côte à côte. Il y a même une grande cheminée où on fait à manger. La pièce principale où il y a les personnes, il y a à peu près une soixantaine de personnes à l'intérieur, plus les personnes qui rôdent et qui se promènent. Il y a quelques petites pièces, mais j'ai pas pu tout visiter. De toute façon, on laisse pas trop rentrer par-ci par-là. Et par contre, l'étage a l'air très grand. Il y a l'air d'avoir plein de pièces. Mais c'est gardé par deux personnes à l'entrée. Ils sont grands et ils ont des casques. On voit pas trop leur visage. Ils parlent en latin. Ils parlent en latin et en grec. Combien de personnes armées avez-vous vu à l'intérieur ? Une vingtaine à peu près. Mais il y a une armurerie apparemment. J'ai fait un premier jet de plan, est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que ça correspond à ce que vous avez vu à l'intérieur? Du coup, tu lui montres un petit peu, alors elle n'est pas très très fut-fut, hein, mais du coup, elle regarde. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Après, moi je connais pas trop. Hein, Parfait. Du coup, il n'avait pas accès à l'étage ou à une pièce de l'étage? À l'étage. On ne peut pas monter à l'étage. Tout l'étage. Ouais, tout l'étage. Ok. Est-ce que nous, d'où on est? On voit, alors c'est un fortin, donc j'imagine qu'il n'y a pas vraiment des grosses fenêtres, c'est plus des meurtrières. C'est des meurtrières, tu sais, puis tu vois qu'en fait ça fait des tours, t'as quatre tours. Tu vois qu'il y a effectivement un espèce de balcon, enfin tu sais, vraiment tout le tour du fortin avec le balcon. Et clairement, oui, il y a une tour au milieu, il y a l'air d'avoir un étage. Allez, c'est pas très très haut. Est-ce que des meurtrières, on voit des lumières, tu sais, des pièces où il y a plus ou moins dans des petites lueurs? Tout à fait, tu vois même des lueurs parfois qui se promènent, parce qu'il y a des gens qui se promènent dans les couloirs. Et est-ce qu'il y avait du personnel du genre des lavandières ou des petites mains pour le nettoyage, la cuisine? Les sœurs, elles s'occupent d'un peu de tout visiblement, enfin de ce que j'ai compris. Elles sont beaucoup, hein. Et les sœurs, elles, ne sont généralement pas armées, j'imagine. Ah non, de toute façon, les miliciens, quand ils rentrent, ils posent leurs armes, visiblement. Ils n'ont pas trop le droit de se promener avec des armes. Ah, bon savoir, ça. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup avec des épées ou autre chose. Est-ce que vous avez eu des personnes qui ressortaient particulièrement du lot par leur présence ou... y a beaucoup de lépreux.
c'est une manière de répondre. J'ai vu des gens très brûlés aussi, je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas si c'était des latins ou des francs, mais en tout cas, c'est peut-être lié au feu qui a été fait là, il y a pas trop long, il y a quelques... Il y a la nuit dernière, soit sur la mer, ou soit même dans l'espèce de tour là qui s'est effondré, je sais pas trop. C'est vrai que les brûlures, c'est souvent lié au feu. Elle a pas l'air très fut-fut, la dame. Hein. Il y a effectivement un bilboquet, un lépreux qui joue au bilboquet avec son pouce, merci Squall. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que je passerai inaperçu au milieu des grands brûlés, c'est cool. Alors t'es quand même à apparence zéro, donc non. Tu es un monstre. C'est grand, on voit ton visage. On voit ton visage, on se dit mais comment ça se fait que t'es encore vivant. Oui, c'est plutôt ça, c'est en mode quoi. Avec quelques bandelettes peut-être. Vous avez encore besoin de moi ou je peux rentrer chez moi? Vous pouvez y aller, merci. Vous auriez pas une petite pièce? Bien, j'ai bien travaillé. Du coup, elle te fait un signe de tête. Merci, merci monsieur. Puis tu vois qu'elle... Pousse. Elle s'en va en boitillant. Tiens. Après, court. J'ai menti. J'ai une question. Oui. La tour, à l'étage, du coup, est-ce qu'il y a des endroits où on peut s'accrocher? Bien sûr que oui. Avec ce genre de bâtiment, ouais, grave. Alors honnêtement, en fait, tu sais, là, l'avantage c'est que tout est fait en pierre. Donc tu peux assez. Pierre. Ouais, tu peux facilement grimper. Alors, on n'en est pas sur un niveau d'Assassin's Creed où il y a des des parcelles où on peut monter partout. Par contre, un combiné puissance et potentiellement des techniques d'escalade, tu peux effectivement monter. Bah justement, j'aurais voulu tenter sous occultation d'aller un peu regarder à travers les meurtrières de l'étage. Tu peux aller tout à fait voir. Ok, du coup, c'est ce que je vais dire à mes camarades, que je vais aller jeter un petit coup d'œil de près à l'étage, sans rentrer évidemment. À tout hasard, pour faire un petit peu plus safe, on a personne qui soit capable de commander un peu aux animaux? Genre envoyer quelques oiseaux? Non, moi je l'ai... Je comprends, mais je les commande pas encore. De mémoire, attends. C'est con. C'est ballot. Ça permettrait juste d'éviter de se mettre soi-même en danger. Ah, mais... attends. Ah, si. Si, attends. Niveau 2. Niveau 2, tu peux le faire. Persuader un animal d'effectuer une action précise, oui. Ah, tu as pris les murmures sauvages, du coup, oui. Est-ce qu'il y a un oiseau, genre corvidé ou chouette ou un truc comme ça? Il y en a pas mal. Alors, des corbeaux, bien sûr, parce qu'avec la charogne qui tricane, bien sûr. Il y a plein de choses. Il y a des rats qui se promènent, etc. Il y a vraiment. Il y a même un chien qui attrape un bras à un moment et qui s'enfuit avec un bras. Alors, d'ailleurs, pas que pour l'étage. C'est le genre de forteresse où, en général, il y avait souvent des sorties de secours qui passaient par des souterrains. Oui. Si tu veux en profiter pour envoyer aussi des rats, pour partir en éclaireur et essayer de trouver des passages, ça pourrait être vachement. Après, murmure sauvage, c'est un animal à la fois, je crois. Oui, tout à fait. Je peux pas, j'ai pas encore des nuées sous mes ordres. Et j'en suis au balbutiement. Du coup, je vais déjà essayer de trouver une petite bête volante. Tu trouves un corbeau, facile. Ok. Est-ce que du coup, je dois te faire un jet pour lui dire de... Oui, normalement, te souvenir... Attends, c'est... Il y a manipulation animalisme. Oui, c'est manipulation animalisme, normalement, ouais. Pour invoquer un animal, c'est charisme, et pour le manipuler, donc manipulation. Oh, tout de suite, ça. C'est effectivement la femme qui murmurait aux oreilles des oiseaux. Vol, petit oiseau, va voir. Alors, tu auras la compréhension. Je voulais faire. Ah, t'as fait un jet d'exaltation. Exaltation du sang. Non, non, bah refais. Manipulation animaux. Comment faire avec une discipline, je suis désolée. Ah là, j'y retrouve. Tu
trois succès, il n'y a pas de problème. Donc tu ordonnes au corbeau d'aller voir un petit peu dans la zone. Voilà, donc je vais lui demander de voler vraiment autour de la tour, à l'étage supérieur, puisque je sais que les corbeaux sont un peu plus intelligents que la plupart des oiseaux, donc qui va comprendre l'ordre Sam, de voler à cet étage, regarder à travers les meurtrières, et revenir vers moi si... s'il voit des hommes très déformés, surtout un bien protégé. Ok. Je sais pas si c'est très clair comme. Après, c'est, on est sur la compréhension d'un animal, donc je vais faire un. Voilà. Ouais, bah. De chance. Ok, t'as de la chance. T'as beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des boutiques ouvertes dans le coin, genre des petits trucs de petits marchés Non, tout va être fermé à cette heure-là. En même temps, en plus, il y a couvre-feu, il y a tout ça. Enfin, je veux dire, les gens vont pas rester dehors. C'est vrai. Ou pour ceux qui ont des commerces. Du coup, bah, tu envoies le corbeau, tu vois qu'il y va, il fait son tour, etc. Au bout de 5-10 minutes, en fait, il revient, pour le coup. Donc, vous allez entendre croix pendant tout le dialogue. Sauf que c'est pas ça. C'est pas Squeeze, tout à fait. En fait, le corbeau te dit je suis allé voir, c'est grand là-dedans. Y a des gens à l'étage, y a plein de lumière, y a des trucs qui brillent. Après, il y a des endroits où on peut pas trop rentrer, c'est un peu fermé parce que je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on peut pas voir. Pas exactement. Comment ça on peut pas voir, c'était voilé? Ouais, il y a des grands rideaux. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux me montrer où exactement, te rendre à l'endroit que je te suive du regard? Bah, du coup, il y va. Et il fait son petit tour et tu vois qu'il se pose en fait à peu près au deuxième étage. Et après, il revient. Au deuxième, ok. Ouais. Tu vois que le troisième étage, clairement, c'est la fin, en fait. Et tu vois que c'est le sommet de la tour où, clairement, tu dois avoir... Bah, tu as le drapeau, etc. Donc, il revient. Du coup, il fait... Bah, c'était là. T'as vu ? J'ai vu. Après, il y a plein de gens qui se promènent. Moi, j'ai pas voulu rentrer parce que j'aime pas les gens. Et puis ça pue, ça sent pas bon à l'intérieur, ça sent. Mais même moi quand j'ai faim, je mange pas ça. T'as raison. Ok, bah je crois que j'ai tout ce qu'il me fallait. Je vais juste le remercier et puis lui retourne. Retourner ses occupations. Il s'en va et il va retourner essayer d'aller chercher à bouffer, en fait, tout simplement. Parce qu'il a faim, comme tout le monde. Oui. Du coup, je me tourne vers mes camarades. Juste parce que je lance un regard à Lucie, je suis dépassée par les événements. Autant les canites, les machins, manger des gens, ça allait. Autant parler aux corbeaux, ça me dépasse. Je veux tous les détails. Mais vraiment, du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle lui répondait, dans sa langue. Donc, tu parlerais sans doute en allemand. La langue que tu as envie de parler, en fait, tout simplement. Et vous entendez croix toutes les 5 minutes, quoi. Les corbeaux parlent donc allemand. Voilà, exactement. C'était ça. Du coup, il semblerait qu'il y a... une pièce masquée par des rideaux au deuxième étage, ça semble prometteur pour nous. Et beaucoup de monde qui se promène dans les couloirs et des odeurs assez nauséabondes. Puisqu'il y a beaucoup de malades, je suppose que ça explique une partie, mais... Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les miens, il y a aussi certaines odeurs qui peuvent émaner de notre... condition. Oh. Oui, et puis sans être experte, pour qu'un corbeau trouve quelque chose sans mauvais, j'imagine qu'on doit être à une sacrée dose de putréfaction. Oui, il semblerait qu'il n'aime pas trop se nourrir dans le coin. Ma
m'a-t-il dit. Dans tous les cas, nous avons potentiellement une localisation de ce que nous cherchons, parce que je suppose que si l'un des trois se cache là-dedans, il se cachera dans un endroit où le soleil ne pourra pas l'atteindre. Effectivement, et dans une partie suffisamment fortifiée. Ce serait intéressant de vérifier quand même s'il n'y a pas des sous-sols que tes semblables apprécient énormément. Mais au passage, pour la possibilité de route de fuite, tout simplement. Mais vu la fortification, ce serait cohérent de le trouver au deuxième étage. Le troisième étage est probablement des salles d'armes, d'observation ou des quartiers de commandants. Peut-être le tout ensemble. Le plus probable, effectivement, je pense, c'est le deuxième étage. Est-ce qu'on voit de la lumière aux meurtrières du troisième étage ? Non. Non, non, vous voyez rien du tout. Donc, en tout cas, deuxième, potentiellement troisième, si vraiment il se cache au plus haut. Mmh. Et les routes de sortie de secours seraient de très bonnes entrées dissimulées pour nous. Est-ce que... toi, tu avais regardé aussi la carte de Yulia, ou c'est que Esclarmonde ? Je crois que c'était que Esclarmonde. Ok. Parce que ce serait intéressant de voir si Yulia avait noté des choses par rapport au Fortin. Elle avait peut-être des informations, ou des pions sur place, ou autres qu'on pourrait exploiter. Tu peux envoyer un corbeau pour aller chercher les copains. Les copains qui parlent pas avec les animaux et qui vont juste voir un corbeau, leur faire croix dessus. Bah, t'envoies un message. Je rappelle que la dernière fois que Mia a vu un animal, il lui a coupé les pattes. Donc... C'est vrai. On était sponsor. Mais l'animal, il était méchant. Il avait pris mon bagage. C'est vrai. C'est sponsor Charal. Oui, après, ce qu'il va les retrouver, parce que le temps que le corbeau arrive, peut-être qu'ils se seront déplacés. Oui, bien sûr, bon, je dis ça. De toute façon, on n'est pas très loin de la planque, je pense qu'on est censé s'y retrouver. Tout à fait, vous pouvez décider de repartir et de retrouver l'équipe avant de retourner potentiellement au Fortin. Ouais. On a déjà pas mal d'informations. On peut se contenter de ça pour le moment. Je sais pas combien... À quel point la nuit a avancé. Là, il va facile être 2-3 heures du matin, quand même. Ah oui. Sur le chemin du retour vers la planque, à un moment donné, j'ai parlé plus bas, j'ai parlé en italien. Ok. En disant, Alfonso, si c'est toi qui es là, trouve le moyen de me le faire comprendre, d'une manière ou d'une autre. Et après, je continue à avancer... aux animaux, mais là, elle part toute seule. Donc Ok. Ah, il est aussi nul que moi, Alfonso aussi. Non. Alors, du coup, vous décidez de retourner à la planque ? Je suppose. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour l'instant, ouais. Pendant ce temps, du coup, Esclarmonde, Mial, je suppose que vous aussi, vous êtes retourné à la planque. Il est hors de question de rester trop longtemps avec Kalia, de toute façon. Bah, c'était pas la planque. Non, c'était pas là, c'était à sa planque, c'était pas à votre planque. Il y avait l'auberge. Oui, mais en fait, comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous avez dû vous déplacer parce qu'en fait, elle bouge beaucoup. Oui, elle avait un autre. C'était pas vraiment sa planque, c'était l'endroit où elle était en. C'est enfin, ça, en ce moment où elle est en faction. Elle se promène en fait. C'est ça, où elle avait commencé à faire ses trucs. Mais bah oui, du coup, on serait retourné à la planque vu que c'est là où on s'était donné rendez-vous avec les autres. Tout à fait. Alors. Quand vous vous revenez, Mial, tu vas avoir tes ghouls qui vont revenir après plusieurs choses. Tu vois, pour le coup, alors je vais les réafficher. Je m'excuse, je les cherche parce qu'il y en a beaucoup. Hop. Tu vois donc Lucas et Vassili qui sont en train de revenir. Pour le coup, ensemble. Oh. Non, pas dans ce sens-là. Donc Lucas, qu'on voit ici, et Vassili. Qui sont en train de revenir, tu vois que Lucas il tire un peu la gueule pour le coup, déjà de se coltiner le gamin ça le fait un peu chier, tu le sais,
Et Vassili, pareil, en fait, il n'a pas l'air non plus d'être très content d'être avec Lucas. Mais ils ont dû se retrouver et ils sont revenus tous les deux. Quand ils arrivent, tu les vois un peu de manière nonchalante se bousculer un peu. Et finalement, ils arrivent vers vous. Donc, Esclarmonde, tu vois la scène en mode « Ok, c'est des gamins, quoi. » Et dans un premier temps, c'est Lucas qui te fait une grande révérence. Un peu surjoué, avec un petit sourire... un peu narquois. Monseigneur, on a pas mal d'informations. Il s'est passé pas mal de choses. Il va regarder autour. Est-ce qu'ils ont ramené quelque chose? Non, visiblement. Alors, ils n'ont pas ramené quelqu'un, mais oui, effectivement, quelque chose, oui. Ok. Il va les regarder. Au début, il était un peu amusé et tout, mais il va. Un peu lever un sourcil et j'espère qu'il y a une explication au fait que mes ordres n'aient pas été tout à fait exécutés. Alors, à ce titre, si. Vassili était en train d'essayer de semer des routes et autres comme tu l'as demandé. Cependant, lors de ma ronde et de mes observations, je l'ai vu un petit peu en difficulté. J'ai décidé donc de l'appuyer et tu vois qu'il sort d'un sac. Un vieux sac en jute, une tête. Tu vois que c'est une tête d'un prêtre. Tu vois qu'il a, c'est l'aéroport à mouches. Voilà. La tonsure. Je me suis permis de neutraliser potentiellement quelqu'un qui aurait pu le faire détecter. Alors tu vois qu'il y a un effroi total sur la tête du prêtre qui a été complètement tranché. De manière très sec, très sèche en fait. Le coup a été net et bien précis. Vraiment, tu reconnais la brutalité de Lucas. Hein. Exclamant, c'est pas choquant, mais en même temps, tu dis oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel quand même. Bah, Mia, il va plonger la main dans le sac et aussi attraper la tête en tirant par les cheveux et regarder. Et regarder du coup Vassili, dans la direction de Vassili et. Et qu'est-ce que tu as fait pour te faire remarquer par celui-là? J'étais en train de saboter un des temples. J'étais en train de propager du feu grégeois et malheureusement il m'a détecté. Je pensais pas me faire voir. Tu vois que du coup il regarde Lucas, c'est un air de défi, tu vois, genre j'aurais pu me démerder en fait. Et quant à toi, Lucas? Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller appuyer le petit. Oui. Je sais que cela te navrerait de le perdre. En effet, il était à ce point en mauvaise situation. Mia, il va ignorer Vassili parce que vu qu'il est beaucoup trop fier pour dire quoi que ce soit. Disons que ça aurait pu compromettre l'opération, effectivement. De mon côté, j'ai pu quand même envoyer mes troupes et faire un petit peu de repérage de manière globale. Visiblement, les murs déjà extérieurs sont très épais et certaines portes sont quand même bien endommagées. Je suppose que d'ici demain matin, demain après-midi, si jamais les Francs continuent leur percée, pourraient potentiellement faire une véritable brèche dans les portes principales. Mais je n'en suis pas sûr. Je pense que même si nous, ils ne nous font peut-être pas confiance de l'autre côté, il ne fera pas de mal d'envoyer quelques messages. On verra bien s'ils le prendront ou pas. Je peux m'arranger de faire ça, effectivement. J'attendrai aussi le retour de Ethan. Il a des compétences en de nombreuses langues. On devrait pouvoir communiquer avec eux. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il de ce que j'ai demandé pour récupérer 2-3 têtes vivantes utiles pour s'infiltrer là-bas? Mes hommes sont en train d'en récupérer. Parfait. Autant laisser de la poudre chez eux, prête à s'enflammer. Tout à fait. Bien. La prochaine fois, néanmoins, quand je vous envoie tous les deux en mission, essayez de rester tous les deux. Il va regarder Vassili.
vois qu'il y a à la fois du défi, à la fois de la colère, mais aussi de la peine dans son regard. Et il te fixe très fort, avant de finalement détourner les yeux. Mia, il va lâcher la tête, qu'il n'avait pas relâchée, qui tombe dans le sac, et il va s'approcher de Vassili pour lui tenir par le menton, pour le faire le regarder dans les yeux. Quelque chose à dire ? Non. Donc, la prochaine fois que je vous envoie tous les deux en mission, qu'est-ce que tu fais ? Je me tiens à la mission. Il va le lâcher. Tu vois que du coup, il se débat un petit peu, puis finalement, il tourne un peu les talons. Alors, il quitte pas la pièce, hein. Juste, il te regarde plus. Tu vois qu'il y a un... c'est une scène très drôle, Esclarmonde, parce qu'au final, tu vois Lucas qui se délecte de la situation, qui est en train de sourire à pleines dents. Clairement, ça l'éclate. Alors, Mia, il va se retourner vers Lucas. Ça vaut pour toi aussi, je t'ai envoyé le surveiller. Donc, si tu n'étais pas avec lui dès le début, comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il a été foutu dans la merde ? J'ai estimé qu'il était capable de se débrouiller de certaines choses. Ce n'est pas l'ordre que je t'ai donné. En effet. Mes excuses. Bien. Tu peux y aller. Du coup, tu vois qu'il... Là, il fait une vraie révérence. Et commence à quitter la pièce. Et il fait signe à Vassil de le suivre. Et scène de ménage. La tête d'Esclarmonde, elle se dit... Ne jamais en avoir deux, en fait. C'est infernal, en fait, deux. C'est pas faux. Bah, ça dépend des deux. En fait, ils se disputent en fait. Donc, c'est normal, hein. Ça. Esclarmonde, elle l'a compris, mais elle se dit vaut mieux pas en avoir deux, ils font n'importe quoi, à deux. Oui, mais ils sont choux. Ils sont mignons. Oui, ils sont mignons. T'as vu, il m'a rapporté une tête. Bah oui, c'est un cadeau. Une belle tête. Oh, non, c'est comme les cadeaux que les animaux te laissent devant la porte. Oui. Tiens, un cadavre. C'est dommage de ne pas pouvoir lire les cadavres et autre chose. On attendra Artemisia, je lui montrerai, tiens. Tiens, regarde, il est tard déjà. C'est un cadeau du fils. Je suis en boule, il est tard, ça va. Hein. Non, par contre, Mia, il va les laisser se calmer un petit peu, mais il retournera les voir pour leur demander quand même, du coup, plus en détail, qu'est-ce que Vassili a fait, à quel endroit il a foutu la merde, les endroits qu'il a déjà commencé à miner. En fait, je peux te le dire maintenant, en tant qu'affaire, il y a deux endroits, deux temples potentiels qui ont été... qui, lui, a identifié comme étant des temples... Parmi ceux des Tsimisés ? Tout à fait. Où il a disposé tout ce qui est feu grégeois, etc. Il y en a un, clairement, il a dit qu'il l'a fait enflammer. Le deuxième, par contre, il était sur le point de le faire. Il faudra juste sans doute envoyer un homme pour l'allumer. Mais par contre, il y a bien un temple qui brûle. Donc il ne sait pas trop combien il y a de personnes qui sont mortes. Mais ça correspond aussi à ce que vous avez entendu. Les autres, il y a pas mal de brûlés, bizarrement. Mmh. Hein ? Donc voilà, il y a eu sans doute des morts. De son côté, Lucas a effectivement récupéré trois personnes. Ils ont dû les tabasser très très fortement pour les discipliner. Voilà. Et ces hommes ont beaucoup pris autant de plaisir que lui. Clairement, il est en train de se faire un bon contingent pour l'instant. Bah, c'est bien s'il arrive à en récupérer de plus en plus. Tout à fait. Ça nous sera toujours plus utile. Ça se fait progressivement. Par contre, des informations générales, c'est que clairement, les forces byzantines se sont regroupées et sont en train de construire, ce qui est assez étonnant quand on est en siège, mais eux aussi, des armes de siège, mais plutôt pour le contre-siège, donc catapultes, etc., pour essayer de bombarder tout simplement de l'intérieur les forces des Francs. Ok. Et donc les hommes que Lucas a envoyés, lui, ils sont censés me ramener des gens que je peux après re-renvoyer. Parce que l'idée, c'est de faire du sabotage à l'intérieur. Tout à fait. Bah, faire percer cette brèche. Tout à fait. Les armes de siège et tout, brûler les ressources type tout à fait. Flèches et compagnie.
En fait, ils ont récupéré plusieurs soldats qu'ils ont tabassés, entre guillemets, pour les discipliner en leur disant, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, pour essayer, eux aussi, d'aller propager, en fait, cette tisanie en promettant or et pillage, hein, tout simplement, pour quiconque voudra survivre, oui, tout simplement. En même temps, pour l'instant, c'est bon augure pour les Byzantins, en fait, depuis le début. Mais ça commence à vaciller un petit peu. Pas non plus des masses, mais ça vacille un petit peu. Donc du coup, l'allégeance, de manière globale, quand il y a de l'argent en jeu, bah, les gens se disent, bah, moi, je veux le pognon. Pognon, survie, c'est kiff-kiff. Bah, le pognon peut permettre de survivre. Tout à fait. Voilà, un petit peu. Donc de son côté, toi, c'est clairement de Altaïr, bon, ils sont en train de se reposer, hein, parce qu'ils ont une très très longue nuit. Donc il est avec... avec la goule de Ethan en train de se reposer, ils sont tranquilles, et avec la goule d'Artemisia, bien évidemment.